Je suis chargée de vous présenter une méthode. Dans le mot méthode, il y a le mot grec odos, et le mot odos signifie la route, le chemin. Donc, si vous voulez, une méthode, c'est un chemin qui est frayé. Ce chemin, vous pourrez le suivre et s'il vous intéresse, et vous verrez bien où il vous mènera. Je ne peux pas vous dire où il vous mènera parce que ça dépendra de vous, de votre auditoire, de ce que vous pourrez en faire. Et je terminerai ma conférence non pas par la grammaire, mais par pas de leçons pareilles. Ça, je crois que c'est tout à fait vrai. Donc, on verra ça tout à l'heure avec les questions pratiques. Donc, je ne donne pas de recettes toutes faites, mais j'ouvre des pistes, enfin. Et il faut que vous sachiez que je n'ai jamais enseigné aux étrangers. Mon auditoire a toujours été francophone, donc je ne sais pas ce que c'est que l'enseignement aux étrangers. Et vous, c'est votre plutôt la spécialité de la plupart d'entre vous. Il faut tout de même vous dire que quand j'ai fait ce dictionnaire aujourd'hui épuisé qui s'appelle Dictionnaire du français usuel et que mon collaborateur Jean-Claude Roland a réduit de 15 000 mots à 7 500 sous la forme vocalire qui se promène dans vos rangs, eh bien, je l'ai fait quand même en pensant à l'instituteur africain. C'est-à-dire que j'avais découvert les problèmes linguistiques de l'Afrique et je me disais, il sort de l'école normale d'Abidjan. Il n'a jamais été en France. Donc, il a une connaissance du français académique, livresque, mais il n'a jamais été vraiment dans le bain de la francophonie. Il a des classes de 100 élèves environ, et de différentes ethnies, c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas tous la même langue. Et il faut qu'il en fasse des francophones. Eh bien, c'est pas rien, n'est-ce pas? Alors, je me suis dit, ce pauvre homme, il faut lui donner un vocabulaire bien classé, un vocabulaire de base suffisamment bien classé pour qu'il soit utilisable. Et ça a été une de mes motivations pour mettre en chantier le DFU. Enfin, vous voyez. Bon. Mon problème est de donner une méthode pour un enseignement systématique du vocabulaire. Qu'est-ce que j'appelle un enseignement systématique? C'est-à-dire un enseignement à plein rendement qui peut faire l'objet de leçons complètes et qui ne soit pas livré au hasard. Ce que j'appelle être livré au hasard, c'est un mot inconnu qu'on trouve par-ci, par-là, dans les textes et dans les conversations, sans que ce soit vraiment quelque chose de pensé et de systématique. Donc, mon projet, c'est de faire un enseignement systématique du vocabulaire. Alors, nous allons prendre un petit peu de bas en haut la feuille introduction et je vous révèle que je n'aurais jamais pu seulement concevoir ce DFU qui était à la base de toute la méthode. Je n'aurais seulement pas pu le concevoir avant l'année 1981. Pourquoi? Parce que c'est dans l'année 1981 qu'Étienne Brunet a publié son vocabulaire français de 1789 à nos jours. Et c'est dans le premier volume de l'ouvrage d'Étienne Brunet que j'ai découvert cette chose absolument inconnue jusque-là, qui est que sur les 90 millions d'occurrences que représente le dépouillement
qui est à la base du trésor de la langue française. Bon, Étienne Brunet a fait des statistiques qui ont révélé une structure pyramidale du lexique français, à savoir que 90% du corpus est couvert par les mots de fréquence supérieure à 7000 qui sont 907. 907, c'est pas énorme, hein, même pas 1000. Bon, fréquence supérieure à 7000. 90% du corpus. Qu'est-ce qui reste ? Des mots de fréquence supérieure à 500. Il y en a 5800. Bon. Cela couvre 8% du corpus. Si vous additionnez 907 et 5800, ça ne fait pas un chiffre astronomique. Et il reste tout le reste. Tout le reste, c'est-à-dire environ 70 000 vocables, hein, qui comptent. Alors, il nous reste 62 000 environ vocables qui comptent pour 2%. Bon. Donc, il y a des mots, les 907 premiers, que vous trouverez partout, dans tous les textes, pour ainsi dire. Vous ne pouvez pas lire 10 pages de français sans tomber sur le verbe être, sur le verbe avoir, sur prendre, sur, etc. Bon, donc, il y a ceux-là qui sont d'usage absolument courant, qui se trouvent dans tous les textes, n'est-ce pas ? Et puis, il y en a d'autres qui sont quand même fréquents, hein, ceux supérieurs à 500. Bon, et puis il y a tout le reste. Alors tout le reste, eh bien le tout le reste n'a pas de fréquence significative. Ça veut dire que on les trouve quand on en a besoin, c'est-à-dire quand on parle d'un certain domaine technique, eh bien ils vont apparaître naturellement. Et puis, quand il y a des archaïsmes là-dedans, il y a des mots un peu fantaisistes. Bon. Bien, eh bien, ça m'a donné un fil d'Ariane, c'est-à-dire que juste tant qu'on ne savait pas ça, eh bien, on ne savait pas par quelle boule prendre le vocabulaire. J'avais une collègue qui s'était spécialisée dans la syntaxe, parce que la syntaxe, c'est quand même plus simple, hein, que le vocabulaire, bon. Eh bien, elle disait que le vocabulaire, ça lui donnait le vertige. Bon, le vertige, parce que c'est sans fond, c'est un océan. C'est bon. Bon, eh bien, il faut trouver le moyen de s'attaquer au vocabulaire sans avoir le vertige. C'est-à-dire en commençant par le commencement. Et commencer par le commencement, ça veut dire commencer par les mots les plus usuels. Ces mots les plus usuels sont toujours des mots polysémiques. Hein, ça, c'est bien évident. Bon, et ils sont très souvent irréguliers. Bon, ce que je voudrais, avant d'entrer dans le vif du sujet des mots très fréquents, des mots hyper fréquents, je voudrais vous faire remarquer que si Jacqueline Picoche a lu en 1981 ou 2, enfin, le travail d'Étienne Brunet, c'est Étienne Brunet n'a pu faire son travail que parce qu'avant Étienne Brunet, il y a eu les travaux de Charles Muller. Et puis si Charles Muller a pu faire ses travaux, c'est parce qu'il y a eu des dépouillements électroniques des textes, c'est-à-dire qu'on a pu avoir des dépouillements exhaustifs, alors que jusque-là, on n'avait que des fiches partielles. Enfin, vous comprenez, Littré, quand il a fait son dictionnaire, avec une plume sergent-major et en recopiant sur des bouts de papier des citations de toutes sortes d'auteurs, il ne pouvait pas recopier tout, hein. Obligatoirement, il faisait une sélection.
c'est forcé. Mais l'ordinateur, lui, il peut recopier tout. Hein. Et donc, quand est-ce que ça a commencé? Il a fallu pour ça qu'il y ait des gens qui inventent l'ordinateur. Ce n'est pas tellement vieux. Hein. Et il a fallu qu'au tout début des ordinateurs, quand ils étaient encore très gros, hein, énormes, qu'ils occupaient une grande salle, eh bien, il a fallu qu'on mette, que des gens intelligents et entreprenants mettent en route le travail du trésor de la langue française. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, vous n'avez qu'à taper sur votre ordinateur TLF et vous avez accès gratis à tout le trésor de la langue française, qui est un énorme dictionnaire où il y a, dans la version papier, je pense que c'est la version papier qui est sur, c'est l'équivalent de la version papier, qui dépouille des textes jusqu'en 1965. Hein. C'est-à-dire pas le dernier modèle, mais enfin, tout de même, c'est pas mal. Et ce que je peux vous dire, c'est que qu'est-ce qui change dans le lexique, qui se renouvelle rapidement? Ce ne sont pas les mots de haute fréquence, ce sont les mots de basse fréquence. C'est-à-dire que tous les anglicismes, toutes les nouveautés techniques, tout ça, ben ça entre forcément dans la basse fréquence. C'est-à-dire que vous ne, même si vous avez l'impression qu'ils sont à la mode, qu'ils arrivent, qu'ils se font remarquer, bien sûr, mais ça n'empêche pas qu'ils ne peuvent pas être mis en relation de fréquence ou ils ne sont pas comparables avec le verbe prendre, le verbe mettre, le nom air ou eau, enfin, etc. Vous voyez, donc, il n'y a pas à prendre tellement au tragique les nouveautés, au tragique ou au comique, enfin, comme vous voudrez, les nouveautés de vocabulaire, parce qu'elles arrivent dans la frange d'en bas. Vous voyez, dans les basses fréquences, presque toujours. Bon, j'ai fait une petite étude historique sur le verbe « prendre » et je me suis aperçue qu'au cours des siècles, il a très, très peu bougé, très, très peu. C'est extrêmement stable. Bon, alors, ceci dit, nous allons pouvoir en terminer avec l'introduction que vous trouverez beaucoup plus détaillée dans le petit livre rose. Oui, vous voyez ce que je vous voulais, que j'ajouterais volontiers, c'est que la modeste découverte d'Étienne Brunet, qui n'a pas fait beaucoup de bruit dans le monde, hein, il faut bien le dire, eh bien, à son échelle, dans le domaine du lexique, je la considère comme aussi stupéfiante, aussi étonnante que le décryptage de l'ADN, la découverte que l'univers est en expansion. On ne savait pas toutes ces choses-là il n'y a pas longtemps. Hein ? C'est tout à fait nouveau. Bon, ce que je vais vous dire ce matin, je n'aurais pas pu vous le dire il y a 30 ans, et, ou 35 ans, ou 40 ans, enfin. Je n'aurais pas pu vous le dire parce que je n'en savais rien. Parce que j'ai appris ça, comme ça, récemment. Hein ? Bon, alors, nous allons passer aux quatre principes. Ces quatre principes ne tombe pas du ciel. C'est-à-dire que m'ont pas été donnés comme ça par une révélation du Saint-Esprit. Ils sont le produit d'environ... Ça fait quand même 50 ans que je travaille dans le lexique, puisque je suis passée à l'université à l'année 64-65, hein, oui, c'est ça, oui. Bon, on est en 2014, ben, ça fait 50 ans. Hein.
Ça fait 50 ans que je m'occupe du lexique d'une façon ou d'une autre. Je m'en suis occupée d'une façon étymologique, d'une façon dialectale, d'une façon pédagogique aussi. Alors, premier principe, partir du mot et non de la chose. J'ai pu constater que jusqu'à présent, tous les ouvrages qui partaient du vocabulaire partaient de la chose, c'est-à-dire qu'on on vous expliquait comment on dit, comment on dit une chaise, un bureau, une maison. C'était par secteur de la réalité que se proposent les leçons de vocabulaire. Ça présente différents inconvénients dont je vous parlerai peut-être un petit peu plus loin. Mais enfin, il faut bien songer que nous n'avons pas besoin d'un nombre astronomique de mots pour parler de toutes sortes de choses, pour parler de toutes les choses possibles et imaginables dont nous avons à parler. Donc il y a ces mots en nombre relativement limité, c'est-à-dire que une petite revue de la plupart des romans modernes, des romanciers modernes du XXe siècle, on peut constater que dans l'ensemble, il se situe dans une moyenne de 10 000 mots par auteur. J'aurais 10 000 mots, ce n'est pas terrible, ce n'est pas astronomique, ce n'est pas des millions. Avec 10 000 mots, vous pouvez déjà dire énormément de choses. Je ne dis pas tout, bien entendu, parce qu'il y a des mots techniques qui sont dans les basses fréquences. Et quand vous parlerez un petit peu savamment d'informatique, il vous faudra un petit peu plus de 10 000 mots. C'est vrai. Si vous êtes médecin, vous aurez besoin de ça, oui. Mais enfin, dans la vie courante, ça peut aller. Donc, entre les 15 000 mots du DFU et les 7 500 mots de Vocalire, on a déjà de quoi se débrouiller en français. Et de même, je dirais, de lire pas mal de livres en français, sans être perdu. Donc, la conclusion de ça, c'est que les mots sont des outils qui vous servent à dire tout ce que vous avez à dire sur le monde. Donc, pourquoi partir du mot pour étudier l'outillage, pour connaître le mode d'emploi de cet outil? Parce que cet outil, quand vous tombez dans les hautes fréquences, il est compliqué, il est très complexe. Il permet de dire tout un tas de choses différentes. Par conséquent, c'est par là qu'il faut commencer. Donc, on étudie l'outillage, on apprend le mode d'emploi de l'outillage avant de s'en servir. Donc, plutôt que d'aller du texte au mot, je vais du mot au texte ou je me passe complètement du texte. Le texte, je le fabrique moi-même. Et puis, avec les élèves, on fait du texte. Et puis après, on pourra passer au texte de Victor Hugo ou d'un autre. Ensuite, je dis priorité au verbe. Et ça, alors là, j'insiste beaucoup. Parce que le verbe, c'est lui qui structure la phrase. Un verbe a besoin de nom pour fonctionner. Il a toujours besoin d'un sujet et en général, pour la plupart, il a besoin de compléments, des compléments d'objets, directs ou indirects. Et puis, si on a besoin, on ajoute des compléments circonstanciels.
Donc, il y a autour d'un verbe, il y a des places vides. Et ces places vides, il faut les remplir avec des noms. Et n'importe quel nom ne peut pas normalement servir de sujet à n'importe quel verbe. Idem pour les compléments. Un certain verbe appelle de préférence certains types de compléments plutôt que d'autres. Bon. Donc, à partir du verbe et en bouchant, en mettant ce qu'il faut dans les places vides, vous allez avoir des séries de mots possibles. Hein bon. Eh bien, vous construisez tout naturellement une phrase simple. Et cette phrase simple, eh bien, vous la travaillerez et vous faites, si vous voulez, quand vous partez d'un verbe, vous constituez très facilement un réseau autour du verbe parce que vous avez des noms qui vont se coller dans les places vides. Ces noms vont être multiples, donc il y avoir des parasynonymes à distinguer. Ces noms, vous pouvez les qualifier, leur mettre des adjectifs qui ne marchent pas avec non plus avec n'importe quelle sorte de nom. Hein. Et puis, vous avez des antonymes, des synonymes. Bref, ça grossit. Hein. Autour d'un verbe, on peut faire grossir très facilement tout un réseau. Non, c'est très commode. Il y a aussi quelque chose qui marche très bien. Ça marche très bien pour structurer une leçon, ce sont les adjectifs. Les adjectifs, je dis les vrais adjectifs, pas les adjectifs dérivés de noms. Hein. Bon, mais les vrais adjectifs qui disent des sensations ou des sentiments, c'est-à-dire dur, mou, clair, foncé, triste, gai, content, tout ça sont des adjectifs. Et les adjectifs marchent très bien parce qu'ils ont toujours des dérivés verbaux et nominaux avec lesquels on peut jouer très, très facilement. Bon, avec les noms, c'est plus délicat. Je ne dis pas, je n'ai rien contre les noms. Tenez-vous bien, je ne suis pas contre les noms. Il y a des noms extrêmement intéressants à travailler, notamment toutes les parties du corps, hein, les mains, les yeux, les pieds, les jambes, tout ça. Et toutes les parties du corps, les quatre éléments, des grandes réalités comme ça, si vous voulez. Hein. C'est toujours des mots très, très riches, très, plein de possibilités. Mais c'est plus difficile et si vous voulez, vous avez moins de facilité à faire, à faire des manipulations à partir, quand vous structurez une leçon à partir d'un nom, plutôt que quand vous la structurez à partir d'un verbe ou d'un adjectif. C'est un peu plus difficile parce que quand vous partez d'un nom, quelles vont être les questions que vous vous posez ? Ce ne sont pas les mêmes que pour les verbes. Pour le verbe, c'est quel genre de nom est-ce que je mets aux différentes places laissées vides par le verbe ? Quand je pars d'un nom, je dirais, quand ce nom est en position de sujet, quel verbe est-ce qu'il va attirer ? Et quand il est en position d'objet, quel verbe est-ce qu'il va attirer de préférence, hein ? Et vous allez trouver une certaine collection de verbes, vous ne saurez pas avec lequel faire des manipulations. Enfin, à mon avis, c'est plus difficile. Hein ? Enfin, ce n'est pas impossible, bien entendu. Bon, parmi les verbes, il y en a qui ont ma préférence. Et je vais vous dire pourquoi. Ce sont les plus irréguliers. Parce que s'ils sont irréguliers, c'est parce qu'ils n'ont pas été régularisés au cours des siècles. Pourquoi n'ont-ils pas été régularisés ? Parce qu'ils sont extrêmement fréquents.
et que leurs formes irrégulières sont extrêmement familières à tout le monde parce qu'on les emploie tout le temps. Hein? Donc, ce sont des verbes tout à fait fondamentaux. Il y a toute une série de verbes en war, les verbes en war, qui sont magnifiques. Il y a commencé par avoir, pouvoir, savoir, devoir, falloir. Ce sont, moi j'appelle ça les piliers de la langue française. Ce sont des verbes qui ne bougeront jamais tant que la langue française existera. Vous ne pourrez pas vous passer de ces verbes-là. Je vous garantis qu'ils ne sont pas prêts de disparaître. Et puis, vous avez les verbes en re aussi. Prendre, vendre, construire, etc. Qu'est-ce que j'ai ? Conduire, apprendre, comprendre, conduire, construire, produire. Puis, vous avez des verbes en ire, qui ne font pas « ils sont hissés », sentir, courir, ouvrir, offrir, partir, mourir. On dit bien « nous partons hein, », pas « nous partissons hein, ». Non, qu'on dit « nous finissons », oui. Bon, eh bien, tous ces verbes irréguliers, au point de vue sémantique, sont extrêmement intéressants, extrêmement riches. Je pourrais même vous dire que rien qu'avec le verbe être, si par hasard, évidemment, on ne peut pas s'attaquer au verbe être à l'école maternelle, hein, ça je suis bien d'accord. Bon. Pour l'école maternelle, qu'est-ce qu'on leur fait ? On leur fait le verbe danser, chanter, les noms chat, chien et loup, enfin des trucs comme ça. Bon. Le verbe être, c'est quand même plutôt pour les grands. Mais enfin, avec le verbe être, vous travaillez obligatoirement quelqu'un, quelque chose, chose, rien, exister, existence, naturellement, réel, réel et imaginaire, hein, réaliser. À partir de réel, vous avez réalisé, réalisateur et tout ça. Hein. Bon, tout ça, ça peut sortir du verbe être. Hein. Bon, eh bien, c'est pas mal. Il y a déjà de quoi faire une bonne leçon avec tout ça. C'est... Bon, anéantir, hein. Réaliser et anéantir, ça peut jouer comme antonyme. C'est intéressant. On peut jouer avec être et avoir et les adjectifs possessifs parce qu'on peut dire aussi bien j'ai un stylo que ce stylo est à moi. C'est mon stylo. Hein ? C'est vrai ça. Être et avoir, ça joue l'un sur l'autre. Bon. Enfin, ces verbes irréguliers ont un autre avantage encore, c'est que en les manipulant, vous ne pourrez pas manquer de faire apparaître au moins les formes les plus usuelles de leur conjugaison irrégulière. C'est-à-dire que, bon, si vous prenez le verbe « venir », ils seront bien obligés de dire « nous venons hein, », ou « verbe être »,« nous sommes »,« ils sont ». Bon, puis il y aura l'occasion d'employer le subjonctif, ça on en parlera un petit peu plus tard. Bon, mon projet, ne pas séparer le vocabulaire de la grammaire, c'est-à-dire que je pense qu'on peut vraiment faire un enseignement unitaire de la langue française à partir du vocabulaire. Pas complètement, complètement. Vous ne tirerez pas toute la grammaire du vocabulaire, mais vous en tirerez un bon morceau quand même. Et, par exemple, vous n'en tirerez pas l'orthographe, ça je ne crois pas. Vous n'en tirerez pas la totalité des conjugaisons, ça je ne crois pas non plus. Vous pourrez
rendre usuelles des formes normales de conjugaison, hein, mais pas complètement systématiques. C'est-à-dire que je pense que vraiment, après l'étude du vocabulaire, la grammaire devrait être une sorte de grande révision, vous voyez, de mise au point de toutes sortes de choses qui sont devenues intuitives et normales quand on fait du vocabulaire. Bon, j'en ai fini avec les quatre principes et je passe à la polysémie. Alors, bien entendu, tous les mots de haute fréquence, pratiquement tous les mots de haute fréquence, sont polysémiques. Hein ? D'ailleurs, c'est une chose normale, même les mots de basse fréquence sont souvent polysémiques, dans la mesure où ils donnent naissance à une métaphore. Enfin, bon. Mais les mots de haute fréquence le sont normalement. Et la polysémie n'est pas un accident du langage, c'est une nécessité. Étant donné que vous avez, mettons, 10 000 mots pour dire tout ce que vous avez à dire, eh ben, il est nécessaire que chacun de ces 10 000 mots enfin, puisse dire plusieurs choses. Hein ? Bon, ça, c'est normal. Je pense que la polysémie est quand même un caractère fondamental du langage. Alors, non, c'est important de montrer, de faire comprendre, de faire sentir, dans la mesure du possible, comment s'organise chaque polysémie. On n'a pas deux exactement pareils. Chaque mot polysémique est un cas un peu particulier, mais enfin, il y a quand même des grandes tendances. Et les polysémies, à partir d'un sens concret tout à fait obvious, s'organisent différemment dans les différentes langues. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, enfin, l'exemple que j'aime bien, que j'emploie toujours, il marche bien, c'est celui du verbe marcher, en comparaison avec to walk en anglais. La polysémie de marcher n'est pas celle de to walk, c'est-à-dire que marcher signifie marcher avec ses pieds et ses jambes, hein, mais signifie aussi fonctionner. C'est-à-dire que, bon, puisque les montres marchent, hein, mais elles marchent si bien qu'elles marquent 10h05, et que dans 10 minutes, j'aurai fini mes choses théoriques. Eh bien, si les montres marchent en français, elles ne walk pas en anglais. En anglais, elles work, c'est-à-dire qu'elles travaillent. C'est-à-dire que pour les Français, l'acte de marcher est conçu comme quelque chose de régulier et de facile. Hein ? Une, deux, une, deux, une, deux. Simple comme bonjour. La machine à laver, la montre, la voiture, tout ça, ça marche. Bon. Et puis, il y a encore d'autres emplois abstraits de marché, bon, qui reposent sur une espèce de vision, d'intuition de ce que c'est que la marche, qui est propre à la langue française et qui n'est pas propre à la langue anglaise. Bon. Donc, si vous voulez, même entre deux langues indo-européennes, il y a d'énormes différences dans la structure des polysémies. Bon. Il y a des... Tenez, par exemple, bon, la langue espagnole, elle a deux verbes être. Hein, deux verbes être. Eh bien, les Français, ils n'ont pas besoin de deux verbes être, ils se contentent d'un seul. Ils se débrouillent avec un seul. Les Espagnols, leur en faut deux. Non, ben, ce qui se passe dans la tête d'un Espagnol n'est pas exactement la même chose que ce qui se passe dans la tête d'un Français.
Non. Et pourtant, les Espagnols sont nos frères latins. Enfin, hein, on est tout de même très proches. Alors, vous pensez, quand vous pensez du Wolof au français, de l'arabe au français. Bon, donc, si vous voulez, je pense que donner à des étrangers l'intuition de la construction de la polysémie du verbe marcher et toutes sortes d'autres. Hein. Je ne sais pas comment ça marche en arabe, hein, je ne sais pas l'arabe, mais enfin, ça m'étonnerait que ça colle exactement. Bon, eh bien, c'est leur apprendre à penser en français. Donc, c'est les amener à s'intégrer à la civilisation française, enfin, à la culture française, par la base, enfin, hein, par ce qui se passe dans leur cerveau. C'est très important. Ce qui se passera dans leur cerveau s'ils l'assimilent bien, sans même qu'ils s'en aperçoivent, sans même qu'ils y pensent. Hein. Vous n'allez pas réfléchir chaque fois que vous employez le verbe marcher, à la polysémie du verbe marcher. Vous en fichez pas mal, vous l'employez comme ça, et puis voilà. Bon. Donc, vous avez dans le petit livre rose, vous verrez toutes sortes de types de polysémie, de la page 27 à la page 32, enfin bon. Alors évidemment, il y a des polysémies qui reposent grosso modo sur un mouvement métaphorique et d'autres sur un mouvement métonymique. Ce n'est pas du tout la même chose. Les polysémies à base de métaphores sont beaucoup plus intéressantes psychologiquement que les polysémies à base de métonymie. Parce que la métonymie est disjonctrice, c'est-à-dire, je pars du mot argent, l'argent, le métal. Je passe du métal à la pièce de monnaie qui est en argent. Je passe de la pièce de monnaie en argent à la pièce de monnaie en cuivre ou en or, ou, etc. Et c'est toujours de l'argent. Je passe de la pièce de monnaie au billet, c'est toujours de l'argent. Du billet à la puce électronique, c'est encore de l'argent. Hein? Donc, quand vous comptez votre argent avec votre carte bancaire, vous n'êtes pas du tout obligé, il n'y a aucun intérêt particulier à ce que vous pensiez que jadis, au Moyen-Âge, on avait des pièces en argent. Hein? C'est intéressant au point de vue historique, mais au point de vue synchronique, c'est presque de l'homonymie. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas exactement des homonymes parce que, effectivement, on voit très bien le lien historique, hein, c'est très clair. Mais enfin, malgré tout, ce n'est pas très important d'enseigner ça. Tandis que les polysémies à base de métaphores, ça structure votre inconscient. C'est-à-dire que nous vivons avec des. Nous vivons sur des métaphores inconscientes qui sont très importantes. Vous avez, par exemple, tous les verbes de mouvement expriment en même temps le temps. C'est-à-dire que le temps est conçu comme une sorte de mouvement, hein? Alors mouvement circulaire ou linéaire, mais enfin, c'est de toute façon le temps, c'est un mouvement. Et vous avez des expressions comme « ça va ». Comment ça va ? Ça va bien. Oh, ça va pas trop bien. Je mène une vie. Vous menez une vie. Les affaires marchent. Tu traînes. Traîner. Pas perdre son temps. Bon, tout ça, tous ces verbes que je viens de vous citer supposent que la vie, le déroulement de la vie est conçu comme une sorte de voyage. Hein? Ça marche, on avance bien, on avance mal, comme ci, comme ça. Enfin, bon. Ça, c'est absolument fondamental. Hein? On vit là-dedans. Bon. Vous avez toute la verticalité, l'essence. L'idée du supérieur et de l'inférieur.
Vous mettez toujours, si vous faites... Ah oui, il y a des adjectifs qui marchent très bien. C'est les adjectifs où il y a une gradation, comme chaud et froid, beau et laid, etc., avec des intermédiaires. Hein. Vous avez chaud, tiède, brûlant, bouillant, frais, froid, glacial, enfin, etc. Ça, ça marche très, très bien. Si vous les disposez, ces adjectifs, sur une ligne verticale, vous mettrez instinctivement et toujours beau en haut et vilain en bas, et chaud en haut et froid en bas. C'est sûr et certain, c'est instinctif, ça fait tout drôle de mettre froid en haut et chaud en bas. Enfin, hein ? C'est-à-dire que vous, il est entendu que ce qui est en haut, c'est mieux que ce qui est en bas. Hein, c'est l'image de toutes les hiérarchies. Bon, on est comme ça, on vit là-dedans. Bon. Vous avez le symbolisme des parties du corps, la tête et le cœur et la main, etc. Tout, bien entendu que quand vous vous attaquerez à des noms, la tête, le cœur, la main, c'est très important, hein, bien sûr. Le corps, le symbolisme du corps, c'est extraordinaire, parce que vous avez tous les membres de votre corps est organisé, et puis vous avez les corps de métier, les incorporés, etc. Vous avez la fable de l'estomac, là, comment ça s'appelle, des membres et l'estomac. Hein. Bon, c'est épatant. Bon, toutes ces grandes métaphores, on vit dedans. On est dedans, donc il faut, elles font partie de nous-mêmes, donc il faut les enseigner, hein, ça c'est, et vous les enseignez obligatoirement à partir des mots de haute fréquence. Les polysémies les plus intéressantes, elles sont dans les mots de haute fréquence. Bon, mais même... Si vous voulez, il y a quand même des petites métaphores qui sont bien amusantes. Vous avez la puce, hein, la puce électronique, et puis la souris là pour l'ordinateur. Tout ça, c'est des métaphores. Hein. Et c'est bon. La métaphore est une préparation à la poésie, parce que la poésie se distingue de la prose par deux caractères. D'une part, son aspect musical, en ce sens qu'elle joue sur des sonorités et sur des rythmes. Et ça, moi, je n'ai rien à vous en dire. C'est une affaire de phonéticien. Hein ? Ça relève de la phonétique. Bon, moi, je ne m'occupe pas de phonétique. J'en ai fait un petit peu dans le temps, mais enfin, bon. La métaphore est du genre pictural, c'est-à-dire c'est des images. Hein, des images. Eh bien, ça compte beaucoup dans la poésie, les images. Hein. Ta mère est ton miroir, tu contemples ton âme dans le déroulement infini de Salam. La mère est ton miroir. La mère, ce n'est pas un miroir, qu'est-ce que c'est un miroir ? Il y a une métaphore sur le mot miroir, bien entendu. Hein, ben, on se regarde dans un miroir, mais on ne se regarde pas dans la mer. Qu'est-ce qu'on se regarde ? Tu contemples ton âme. Donc, on peut contempler quelque chose d'abstrait. Hein, donc, il y a encore une métaphore sur le verbe contempler, enfin, bien sûr. Bon, le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur. Alors, il y a la pureté de l'eau, et puis il y a la pureté du jour, de la lumière, et puis il y a la pureté de ce qui se passe dans l'intériorité d'Hippolyte, de Phèdre. Et puis vous trouvez que le cœur a un fond. Hein, le cœur, c'est quand même quelque chose qui bat, là. Eh bien, il y a un fond. C'est une métaphore, ça, encore. Hein, la métaphore du cœur, c'est très important. Bon, alors,
Ceci dit, la synonymie, c'est beaucoup moins important parce que vous le connaissez, si vous voulez. On a beaucoup travaillé sur les synonymes. Donc, étant donné qu'il est 10h15, si vous avez des questions, je peux presque m'arrêter là, sauf que je voudrais attirer votre attention sur ce que j'appelle la synonymie au sens large. Bon, la synonymie au sens pas large, c'est simplement les mots substituables les uns aux autres avec une faible différence de sens, c'est-à-dire remplacer manger par avaler, enfin des choses comme ça. Bon, des mots qui ne sont pas hyperonymes ni hyponymes l'un de l'autre, mais qui sont en relation étroite au point de vue, qui ont des affinités sémantiques étroites. Par exemple, je pense que si vous voulez vous attaquer au verbe porter, eh bien, il est intéressant de le définir par opposition à pousser, à tirer, à traîner, c'est-à-dire tous ces verbes qui disent le déplacement d'un objet, hein. Seulement, on déplace comme ci ou comme ça, par terre ou pas par terre, ou on le devant soi ou derrière soi. Hein. Donc, ça, c'est à faire jouer l'un sur l'autre, savoir et connaître. Hein. C'est... Bon. Naturellement, il faut aussi bien s'intéresser pour le problème de la synonymie aux préfixes, parce que les préfixes ne font pas changer de catégorie grammaticale. Un mot préfixé reste dans sa catégorie grammaticale, c'est-à-dire que charger est un verbe, surcharger aussi est un verbe. Hein. Donc le préfixe, ça ne change pas la catégorie grammaticale, à la différence du suffixe. Donc vous avez toutes sortes de préfixes savants. Qu'il faut connaître, qu'il faut manipuler sans problème, hyper, hypo, super, je sais pas moi, thermo, enfin des choses hydro, vous voyez, toutes sortes d'éléments savants, et alors c'est à ce moment-là que vous pouvez leur révéler que ça vient du grec, que ça vient du latin, etc. Bon, pour ce qui est du vocabulaire comme propédeutique de la grammaire, je vous fais simplement remarquer, regardez simplement le verbe manger. Avec le verbe manger, vous pouvez faire le tour de toutes les fonctions grammaticales et en plus d'ajouter des suffixes tout à fait intéressants. Vous demandez aux élèves à quoi leur faire penser le verbe manger, vous pouvez être sûr qu'il leur fait penser à un tas de choses. Il leur fait penser à toute une quantité d'aliments, à de la pizza, à de la tarte, à de la glace, à tout ce que vous voudrez. On mange quoi ? Du beefsteak, des frites, si vous leur demandez qui mange, il est assez difficile de leur faire trouver le mot convive. Parce qu'évidemment, n'importe qui mange, même les animaux, bon, enfin, convive. Bien. Il faut leur faire dire où on mange, quand on mange, pourquoi on mange, dans quel but on mange, etc. Et vous trouvez les heures de repas, la cantine, le restaurant, et vous avez toute la série des compléments circonstanciels. Et puis vous pouvez, si vous utilisez le suffixe vore, herbivore, carnivore, etc., et on peut ajouter ce suffixe. Enfin, vous voyez, vous avez vraiment des ressources énormes. Et puis tout ce qu'on peut trouver comme synonyme à substituer, comme adjectif à ajouter, enfin, ça peut faire une leçon très très riche. Alors, écoutez, je vais changer un petit peu l'ordre des facteurs. C'est-à-dire que, question pratique, j'avais d'abord mis, pas de leçons pareilles, les listes, l'importance de l'oral, les manipulations. Je vais commencer par les manipulations et je vais finir par pas de leçons pareilles.
parce que, si vous voulez, étant donné tout ce que je vous ai dit sur le verbe et la syntaxe, enfin, la construction des phrases, je pense que les manipulations, ça va être intéressant. D'autre part, il faut tout de même que je vous parle un petit peu de l'entreprise Vocanet. Alors, si vous n'avez jamais cliqué sur votre ordinateur vocanet.fr, vous le ferez en rentrant chez vous. Et il faut que je vous dise comment ça s'est fait. Donc, le grand œuvre de ma vie, le dictionnaire du français usuel, n'a eu aucun succès. Il ne s'est pas vendu. Bon, mais malgré tout, quelques originaux l'avaient acheté, l'avaient mis dans leur bibliothèque d'établissement. Enfin, il n'était pas complètement inconnu. Bref, en décembre 2010, j'ai eu la visite d'un monsieur nommé Bruno Germain, qui est quelque chose au ministère de l'Éducation nationale, qui, outre qu'il travaille dans une université parisienne, s'occupe d'une chose qui s'appelle l'Observatoire du français. L'Observatoire du français. Observant le français du haut du ministère, il s'était aperçu que les élèves manquaient de vocabulaire. Et il s'était dit que peut-être un picoche aurait des idées sur une manière d'enseigner le vocabulaire. Alors il est venu me voir et il m'a demandé si on ne pourrait pas ensemble faire une méthode d'enseignement du vocabulaire. Je lui ai dit que oui, que je ne demandais pas mieux, que si je pouvais enfin trouver une utilité aux travaux que j'avais fait jusqu'ici, ça me ferait plaisir. Et il s'est autour de Jacqueline Picoche et Bruno Germain se sont groupés un certain nombre de personnes que nous connaissions, enfin que je fréquentais depuis un bout de temps, mais et qui ont formé une espèce de petite équipe. Alors il y a Jean-Claude Roland qui a collaboré avec moi pour la confection du DFU et qui a réduit le DFU à Vocalire, qui se promène dans vos rangs. Il y a donc Bruno Germain, Jacqueline Picoche, Jean-Claude Roland. Il y a une dame qui travaille bénévolement pour nous parce que ça l'intéresse, sans y gagner le moindre sou, d'ailleurs nous non plus à vrai dire, eh bien qui s'appelle Anna Teller et qui gère le site, qui a construit le site de Vocanet et qui le gère. Et il y a Hubert Joly qui est le secrétaire général d'une association qui s'appelle le CILF, Conseil international de la langue française, et qui met à notre disposition son local, ce qui est assez agréable pour se réunir, et qui met aussi, qui diffuse Vocanet dans d'autres lieux francophones que la France, enfin notamment vers le Maghreb, enfin petitement jusqu'à présent, puisque ce n'est qu'une expérimentation. Bruno Germain a voulu que la méthode Germain-Picoche, Picoche-Germain-Roland, enfin, soit expérimentée dans un certain nombre de classes d'Île-de-France. Enfin, il a son petit réseau d'écoles où quelques enseignants motivés veulent bien mettre en œuvre la méthode. Et puis, donc j'ai quelques retours, si vous voulez, ce qui me permet de parler de questions pratiques, c'est que je sais un peu comment ça marche, vous voyez. Et puis l'année dernière, par surcroît, j'ai été faire une conférence à Nancy, un petit peu comme pour vous, là c'était le même genre, hein, d'amphithéâtre, de public, bon.
Et les gens de Nancy ont réagi et m'ont dit des choses sur ce qui se passait dans leur classe, et ce qui m'a mis la puce à l'oreille aussi pour certaines questions pratiques. Hein. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Je ne sais plus, ça me sort de l'idée, ça me reviendra. Bon, ce n'est pas grave. Alors, les manipulations, c'est ce que les instituteurs font le moins. C'est-à-dire que j'obtiens très peu qu'ils manipulent. Et pourtant, à mon avis, c'est important. Bon, supposons nous partons d'une phrase de base, hein, fournie par des élèves, par exemple, qu'on a écrite au tableau, une phrase de base, une phrase simple, et on va essayer de dire la même chose autrement. Hein, c'est dire la même chose autrement. Être capable de dire la même chose de plusieurs manières différentes, ce que j'appelle des exercices d'assouplissement. Alors, évidemment, puisqu'on on commence en maternelle, je vous ai pas expliqué comment Bruno Germain a voulu que nous fassions 8 niveaux, parce que lui, il voit les classes, comment insérer ça dans des classes. Hein. Donc, on part de la grande section maternelle et on va jusqu'en cinquième. Ça fait 8 niveaux, donc on a fait des répartitions de mots. Enfin, ça, je vous en parlerai peut-être un petit peu plus tard. Donc, évidemment, là, les manipulations ne peuvent pas être les mêmes en grande section maternelle et en CM1, bien entendu, et en CM2, mais à plus forte raison en sixième et en cinquième. On n'a pratiquement pas de retour pour la sixième et la cinquième. Je crois que ce n'est pas expérimenté en collège, enfin pratiquement. Bon, Bruno Germain m'a demandé, alors pour la structure de Vocanet, il m'a dit, voilà, les instituteurs n'ont pas beaucoup de temps pour préparer leurs leçons. Enfin, ils sont pressés, ils ont toutes sortes de choses à faire, ils n'enseignent pas que le français. Donc, il faut les aider. Si vous les plongez dans un article de Vocalire pour structurer leurs leçons, même l'article de Vocalire, sans dire l'article du DFU, qui est plus complexe que l'article de Vocalire, naturellement, hein, eh bien, ils vont être un peu perdus, ils ne sauront pas comment trouver leur chemin. Bref, il faut leur essayer de les orienter un petit peu pour trouver une piste, leur suggérer une piste pour utiliser l'article de Vocalire. Bon. Et c'est pour ça que je me suis mise à faire ce que j'appelle des petites fiches. Des petites fiches courtes, mais essayant de donner une petite orientation pour le commencement de faire une leçon à partir de tel ou tel mot. Seulement, comme je n'ai pas le temps d'en faire, il y a énormément de trous dans Vocalire, c'est-à-dire qu'on a fait une liste de mots prioritaires à étudier par classe sur 8 niveaux, mais sur ces 8 niveaux, bah, bien entendu, je n'ai fait que quelques petites fiches. Et puis, Madame Teller, Ada, qui structure le site, fait des vidéos. Elle a une petite caméra. Et alors Bruno était enthousiaste des vidéos. Il disait, oh là là, les vidéos, ça leur plaît beaucoup. Ils aiment ça encore mieux que les petites fiches. Bon. Très bien, seulement les vidéos, c'est un peu long à faire. On ne peut pas faire énormément de vidéos dans une après-midi avec Mme Teller. On fait 3 vidéos, mais puis encore, il faut que je les prépare. Ça prend quand même du temps. Hein. Donc, Vocalire, c'est une méthode qui est en fabrication, mais qui n'est pas finie, bien loin de là, et qui serait heureusement améliorer si on obtenait des enseignants qui expérimentent la méthode de nous faire un petit compte-rendu de ce qu'ils font dans leur classe
ce que nous appelons des fiches témoins. Mais des fiches témoins, on en a très peu, parce que il paraît qu'ils s'en servent dans leur classe, seulement une fois qu'ils ont fini leur classe et qu'ils sont rentrés chez eux. Ouf, ils ne se mettent pas à rédiger, voilà ce qui a marché, voilà ce qui n'a pas marché, et à nous l'envoyer. Bon, donc, on le sait un petit peu par racontard, mais c'est tout. Donc, vous voyez, si vous voulez faire des expériences et si vous voulez nous envoyer des fiches témoins, eh bien, on les mettra bien volontiers. Maintenant, je me suis aperçue aussi que mes petites fiches ne sont pas tellement utiles parce que certains retours que nous avons eus prouvent que les enseignants s'intéressent souvent à des mots pour lesquels il n'y a ni petite fiche ni vidéo, et ma foi, ils ne s'en tirent pas plus mal pour ça. Non. D'autre part, à la suite de certains mots de vocalire où il y a des fiches, vidéos et tout, il y a un article de vocalire, l'article correspondant de vocalire qui vous est donné en toutes lettres. Et puis, Jean-Claude, qui renacle par le fait que ni DFU ni de vocalire ne nous a rapporté le moindre droit d'auteur, ou du moins de façon substantielle, il dit, moi je mets des fiches de vocalire, j'en mets 60, mais pas plus. Ils verront les 60 fiches. Après, eh bien, vous trouverez de la pub pour vocalire. Si vous voulez lire vocalire, eh bien, il n'y a qu'à l'acheter. Bon, bien. Alors, ça, là, je vous ai expliqué un petit peu ce que c'est que Vocanet. Donc, Vocanet, c'est fait par une conjonction de gens qui se sont rencontrés comme ça dans la vie, fortuitement, qui s'intéressent à la même chose, qui convergent bien ensemble. Et puis, on essaye de voir si ça va marcher. Et on espère que les enseignants nous en diront des nouvelles, et puis peut-être que ça avancera. Et puis moi, au fur et à mesure, du temps dont je disposerai, ben, j'ajouterai quelques petites fiches par-ci, par-là. Mais il ne faut pas compter que j'ai un rendement énorme et que je m'y mette à plein temps. Vous comprenez, je suis vieille quand même, j'ai besoin de me reposer un peu. Bon. Alors, ceci dit, nous passons aux manipulations. Donc, être capable de dire la même chose de plusieurs manières différentes. Quand on est en grande section maternelle, oui, parce que nous n'avons fait Vocanet que pour des classes francophones, que pour des classes normales. Hein. On ne s'est jamais occupé des primo-arrivants. C'est-à-dire que vous adaptez ça à votre public comme vous pouvez, si la méthode vous inspire, vous verrez bien, hein, vous avez quelque chose à en faire. Mais elle n'a pas été faite pour vous. Je peux même vous dire que le DFU, dans mon esprit, outre que j'ai pensé à l'instituteur africain, mais jamais aucun instituteur africain n'a eu le DFU entre les mains. Vous pensez que le DFU, quand il a été édité, il pesait non seulement 2 kilos environ, et il coûtait 54 euros. Alors vous vous rendez compte, 54 euros sur un salaire d'enseignant africain, hein, ce que ça peut représenter. Alors ça, à ce compte-là, j'ai vraiment raté mon but. Hein. Bon. Mais je pensais plutôt au collège, hein, plutôt qu'à l'enseignement primaire. Et puis c'est Bruno qui m'a obligée de m'intéresser à l'enseignement primaire parce que, d'après lui, on commence le vocabulaire en maternelle et qu'à partir de la quatrième, les enseignants ne veulent plus faire de vocabulaire, ils font de la littérature. Hein? Bon, alors, bien. Quand vous êtes en maternelle, comment vous faites pour manipuler une phrase de base? Eh bien, vous dites aux petits élèves, essayez de, ou au CP, cours préparatoire, allongez la phrase. Alors, comment on fait pour allonger la phrase? Bon,
on ajoute un adjectif, hein, ou bien on ajoute, je ne sais pas si on est savant, une proposition relative, c'est peut-être, enfin oui, pourquoi pas, bon, ou on coordonne deux sujets, hein, avec la préposition, avec la conjonction et, bon, allonger la phrase comme ça. Rien que de les faire parler, leur faire dire à haute et intelligible voix une phrase correcte, c'est déjà pas mal, c'est déjà bien. Bon, bon, c'est le commencement de tout. On peut le faire passer au pluriel, hein, c'est au singulier, on peut le faire passer au pluriel. Bon, on peut ajouter un complément circonstanciel. Divers types de manipulation. Alors, substitution de synonymes ou d'antonymes dans la phrase de départ, ça, ça va de soi, ça marche très bien. C'est-à-dire qu'il y a non seulement tous les noms d'aliments qui arrivent comme complément d'objet de manger, qu'on peut arranger sous le titre « aliment » ou « nourriture », leur faire trouver des hyperonymes comme ça. Bon. Il y a les... Ben, au lieu de manger, on peut trouver « avaler »,« dévorer »,« picorer », des choses comme ça. Et puis, naturellement, ça induit des compléments différents. Vous ne picorez pas la même chose que vous avalez. Bon, substitution d'antonymes aussi, ce qui est... ça marche avec les adjectifs gradués, les antonymes. On peut déplacer les mots dans la phrase en les mettant en valeur par « c'est ». C'est que c'est un tel qui fait telle chose, c'est lui qui, bon, qu'on mette le complément en tête ou le sujet. Il y a le passage au passif avec la dissimulation éventuelle de l'agent. C'est intéressant parce que il y a des cas où il est intéressant de dire à l'agent quel est l'agent, et il y a des cas où il est intéressant de ne pas le dire, au contraire. C'est-à-dire que, d'abord, vous pouvez distinguer qu'est-ce que c'est qu'un sujet et qu'est-ce que c'est qu'un agent. Quand le sujet passe derrière le verbe après la préposition « par », hein, la maison, je ne sais pas moi, l'autoroute est construite par la région. Je ne sais pas si c'est les régions qui construisent les autoroutes, mais enfin, bon. Des choses comme ça, vous voyez, où la région construit l'autoroute. Bon. L'autoroute est construite par la région. Bon. Vous pouvez distinguer pourquoi est-ce qu'on appelle par la région complément d'agent et pas complément de sujet. Bon. Qu'un sujet et un agent, ce n'est pas la même chose. Que le sujet est un mot qui donne ses marques au verbe. C'est-à-dire que si vous avez un sujet au singulier, pof, le verbe passe au singulier, etc. Non. L'agent est une personne, enfin un être animé qui fait une action. Tous les verbes ne sont pas des verbes d'action. Hein? Bon, bien entendu, construire est un verbe d'action, mais dormir n'est pas un verbe d'action. Donc, dormir, il a un sujet, mais il n'a pas d'agent. Tandis que construire a un sujet qui est en même temps un agent. Et quand le sujet passe de l'autre côté du verbe au passif, hein, il n'est plus sujet, puisqu'il ne donne pas ses marques au verbe, mais il est toujours agent. Ça, le complément d'agent. Bon, des grands élèves peuvent peut-être comprendre ça. Bon. C'est intéressant. Puis alors, évidemment, dans quel intérêt est-ce qu'il y a à dissimuler l'agent?
Le sujet, quand vous faites une phrase à l'actif, vous êtes obligé de dire le sujet. Quand vous faites une phrase au passif, vous n'êtes pas obligé de dire l'agent. Donc, quand vous voulez cacher qui fait quoi, vous avez intérêt à passer au passif, ce qui se fait assez couramment dans la langue journalistique. Enfin, bon, si vous manipulez un jour le verbe cacher, vous verrez que le verbe cacher est très intéressant parce que on cache un objet quelque part dans une cachette et on le cache à quelqu'un parce qu'on ne veut pas qu'il le voie. Hein? Bon, donc pour faire fonctionner le verbe cacher à plein régime, si je puis dire, il faut dire le sujet qui cache quoi, où il le cache et quelle est la personne qui ne doit pas le voir. Il le cache à quelqu'un. Hein? Bon. Il y a toute. On peut même ajouter pourquoi il le cache. Pourquoi le quelqu'un en question ne doit pas le voir. Là, vous mettez un complément circonstanciel. Hein? Bon. Eh bien, tous ces éléments qui font fonctionner le verbe cacher à plein régime, vous n'êtes jamais obligé de les dire tous, parce que vous pouvez avoir des raisons de ne pas dire où c'est caché, vous pouvez avoir des raisons de ne pas dire à qui c'est caché, et vous pouvez avoir des raisons de ne pas dire qui cache. Hein? Bon. Vous pouvez dire simplement telle chose est cachée à tel endroit ou telle chose est cachée à telle personne, mais vous n'êtes pas obligé de dire c'est caché par un tel parce qu'il peut y avoir intérêt à ne pas dire. Vous voyez, le complément d'agent est très utile pour ne pas dire des choses qu'on ne veut pas dire. Hein? Bon, c'est... Bon... naturellement, le passage au passif n'est possible qu'avec les verbes transitifs, hein, et avec, quand il y a des raisons particulières de passer au passif. C'est toujours moins naturel de parler au passif que de parler à l'actif, bien entendu. Donc, ça peut être... c'est souvent dans la langue des journaux, enfin... Bon. Combiner deux ou plusieurs phrases simples pour faire une phrase complexe. Alors ça, ça peut être très intéressant, même dans des petites classes, pour mettre dans l'oreille des élèves, même si on ne prononce pas le mot subjonctif, qui paraît-il est tabou, puisque en CE1, Bruno m'a dit qu'ils sont à des années-lumière du subjonctif. Ah bon, oui, aïe, aïe. Et pourtant, moi je dis que dès le corps préparatoire, on peut leur donner deux petites phrases qu'ils auront même peut-être trouvées tout seuls. Qui c'est qui vient vous chercher à la porte de l'école? Bien, c'est maman. Alors, et tu es content quand ta maman te vient te chercher à la porte de l'école? Oh, oui. Bon, alors, maman vient me chercher à la porte de l'école, ça me fait plaisir. Bon, eh bien, dis ça en une seule phrase. Hein, deux phrases. Ça en une seule phrase. Ça donne forcément, ça me fait plaisir que maman vienne. Et pas vient. Hein? S'il dit vient, il faut le corriger. Tu es d'accord? Ça me fait plaisir, j'ai peur que, il faut que tu fais, sûrement pas, il faut que tu fasses telle chose. Hein? Donc, il y a un certain nombre de. Si vous faites créer des phrases composées
à partir de phrases simples. Il y a des cas où le subjonctif va s'imposer obligatoirement. Vous ne pouvez pas ne pas employer que tu fasses, que tu ailles, que tu viennes. Hein, c'est indispensable. C'est, autrement, c'est pas du français, c'est horrible. C'est, donc il faut leur mettre dans l'oreille, même si on ne leur dit pas c'est le subjonctif. Besoin de leur dire c'est le subjonctif puisque le mot subjonctif apparaîtra peut-être à la fin du CM1 et en 2 et encore peut-être en 6e seulement. Bon. Très bien, moi je l'emploierai plus tôt, mais enfin, bon, faites comme vous voulez. Il faut absolument leur mettre dans l'oreille les formes usuelles de subjonctif présent. Hein, c'est bon. Et ça, évidemment, la composition de phrases composées peut amener le subjonctif. Et puis, il y a surtout le plus intéressant, je crois, comme manipulation, c'est l'usage des dérivés. Alors, les dérivés des verbes, les dérivés nominaux des verbes. Quand j'entends dérivés nominaux, ça ne veut pas dire nécessairement dérivés morphologiques. Bon, je suis bien d'accord que le dérivé nominal de conduire, c'est conduite. Hein, bon, d'accord. Mais, et encore conduite, ça s'appelle suffixe zéro. Hein, il n'y a pas de suffixe là. Bon. Enfin, le dérivé nominal de manger, c'est repas. Hein? Le dérivé nominal de dormir, c'est sommeil. Bon. Donc, le dérivé nominal de construire, c'est construction. Ça va tout seul. Bon. Diriger, direction, tout. Bien. Alors, qu'est-ce que vous faites avec les dérivés nominaux de verbes? Eh bien, qu'est-ce que tu as mangé à la cantine? J'ai mangé du jambon, je supposais qu'on... jambon, enfin, des saucisses, des frites, un yaourt, bon... Dit la même chose avec le mot repas. Ah, alors ça donne le repas se composait de saucisses frites et de yaourt. Hein? Et vous comprenez que hein, le repas se compose de où j'ai mangé telle chose, c'est pas du tout pareil comme niveau de langage. Il y en a un qui est oral, naturel, tout bête, et puis l'autre qui est quand même déjà écrit. Hein, pratiquement, le repas se composait de, c'est pas une chose que vous direz spontanément, mais que vous pourrez écrire bon, facilement. Donc, très souvent, le passage par le dérivé nominal d'un verbe vous fait passer d'un style oral à un style écrit. Hein? Et d'autre part, ça vous amène à allonger la phrase, parce que on construit une maison. Les maçons construisent une maison. La construction de la maison... Bon, les maçons construisent une maison... Ça fait une phrase complète, hein? Ça peut suffire. Mais la construction de la maison, ce n'est pas une phrase complète. Donc, vous êtes obligé d'ajouter quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre après la construction de la maison? Vous voyez, ça fait avancer la phrase. Alors, vous mettrez la construction de la maison, si vous mettez « coûte cher », on peut dire « coûte cher », ça peut se dire plus, d'une façon plus chic, « est onéreuse ». Bon.
Mais la construction de la maison est toujours un petit peu plus écrite, un petit peu plus littéraire, un petit peu plus relevée que la phrase simple avec le complément d'objet. Hein bon. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, encore quelque chose auquel je parle, auquel je pense et qui marche assez bien. C'est le passage de l'attribut à l'épithète. C'est-à-dire, vous pouvez dire mon couteau est bon. Ça veut dire il coupe bien. Enfin, ce couteau est bon, par exemple. Ou cette fleur est belle, comme vous voudrez. Cette fleur est belle. Bon, alors, eh bien, ça fait une phrase. Ça peut suffire à soi-même. Tu vas pas faire passer l'adjectif de l'autre côté du nom. Cette belle fleur, c'est pas une phrase, ça. Donc, faut continuer. Donc, on va ajouter quelque chose. Manière d'allonger la phrase. Hein. Non. Cette belle fleur, pousse dans mon jardin. Je sais pas, vous inventez ce que vous voulez, mais enfin, faut continuer. Je peux vous dire que les enseignants dont j'ai eu quelques échos sont très rétifs pour faire ce genre de choses. Ils trouvent ça très difficile. Ils n'ont pas le temps de le faire. Ils sont... Et j'ai eu un rapport sur une leçon sur vendre et acheter, qui est vraiment, qui a beaucoup de succès, qui est très facile à faire. Hein, vendre et acheter, ça va de soi-même. Eh bien, ils ont réussi à faire une leçon sur vendre et acheter sans utiliser les dérivés vente et achat. C'est embêtant quand même. Hein, vendre et acheter devrait automatiquement impliquer l'utilisation de vente et achat. Vous vendez quelque chose parce que vous le mettez en vente. Hein, on met en vente, ça se dit en français, c'est bien courant. Et puis, faire des bons achats, ça se dit aussi, c'est un bon achat. C'est pas quelque chose d'extraordinaire d'employer le mot vente et le mot achat. Et puis, passer de vendre à acheter, de vendre à vente et d'acheter à achat, c'est tout de même un certain assouplissement pour les gens qui n'en ont pas l'habitude. Bon. Avec facile, difficile. Vous pouvez faire tourner la même phrase avec les dérivés nominaux, ça c'est pour un adjectif, hein. Les dérivés nominaux, facilité, difficulté, hein, c'est une grande... Bon, c'est facile de faire... qu'est-ce qui est facile? Dites-moi quelque chose de facile. C'est facile de réciter le corbeau et le renard, hein. Par exemple, bien. Alors, c'est d'une grande facilité. Je le récite facilement. Hein? Vous pouvez le dire en utilisant le nom, en utilisant l'adverbe. Vous pouvez quelquefois utiliser le verbe faciliter, c'est-à-dire rendre plus facile. Hein? Bon. Et le verbe faciliter, il n'a pas son symétrique du côté de difficile. Difficile, difficulté, difficilement, ça marche, c'est symétrique avec facile, facilité, facilement. Mais faciliter le verbe, non, personne n'est assez méchant pour rendre la chose plus difficile. Bon, évidemment, écouter doit induire écoute et audition.
envoyer, recevoir, vous pouvez arriver à émetteur, récepteur, réception, receveur. Vous voyez tout ça? Non. Bon, vous pouvez naturellement mettre les suffixes savant, vor, phage, cide, cide, insecticide, tyrannicide. Bon, je passe à l'importance de l'oral et la place de l'écrit. Naturellement, l'oral a une très grande importance. Tout est à la base de l'oral, puisque le point de départ, c'est on essaye de faire dire aux élèves ce qu'ils savent déjà, puisqu'on parle, on essaye de faire émerger leur vocabulaire passif, les choses qu'ils croient ne pas savoir, mais qu'en réalité ils savent quand même, bon, par toutes sortes de stratagèmes. Et il y a toujours une espèce d'aller et venu entre l'oral et l'écrit, puisque le maître écrit au tableau au moins les meilleures trouvailles des élèves, peut-être pas toutes leurs trouvailles, parce qu'il arrive qu'ils sortent du sujet, qu'ils disent des choses hors du sujet, et il arrive aussi qu'ils sortent des mots d'argot qu'il faut caractériser comme argot et leur expliquer que ça ne s'emploie pas en toutes circonstances. Bon, donc, nous, c'est ce qu'on appelle le grand déballage, parce qu'il y a des mots qui inspirent bien les élèves et puis d'autres qui les inspirent moins. Hein. Mais par exemple, manger, ça les inspire énormément. Et puis, chaud et froid aussi, ça marche très bien. Peur, ça, ils ont toutes sortes de choses à dire sur la peur. Enfin, oui. Bon. Bien. Évidemment, ça suppose une classe assez disciplinée qui lève le doigt, qui ne parle pas tous ensemble, qui ne soit pas rétive, c'est-à-dire qui ne veulent pas ne pas répondre pour ne pas se faire mal juger des copains. Enfin, vous voyez comme ça peut arriver quelquefois. Enfin, bon, il faut arriver à les faire parler. Un bon énoncé. Là, ce que je vous dis, tout ce que je vous dis, là, ça vient des choses qui me sont revenues des maîtres qui font l'expérience et qui ne nous en renvoient pas beaucoup, mais enfin, le peu qu'ils nous renvoient est quand même exploitable. Et puis, j'ai eu aussi des retours de Nancy. À Nancy, il y a des gens qui se sont intéressés et qui m'ont dit des choses. Bon. Alors, l'objectif, évidemment, ce que le maître écrit au tableau, les mots qu'il écrit au tableau ou des petites phrases simples qu'il écrit au tableau, les élèves peuvent les recopier sur des carnets, sur des cahiers de brouillon, sur, enfin, ça vous arrangez, il y a des trucs. Et puis, mais l'objectif, c'est d'amener les élèves à écrire eux-mêmes quelque chose, hein, c'est-à-dire à ne pas être rebuté. Alors, leur faire écrire quoi, hein? Figurez-vous qu'en maternelle, quand ils ne savent ni lire ni écrire, eh ben, les maîtresses écrivent au tableau quand même. C'est comme ça. Elles font ce qu'ils appellent les dictées à l'adulte, c'est-à-dire que les petits-enfants, ils disent ce qui leur passe par la tête, et puis... bon. Oh oui, tiens, à propos de la maternelle, il y a une chose qui marche très bien. Oui, c'est pour la... Attendez, pour le passage à la grammaire. Là, je vais faire une petite digression, puisque je suis en maternelle. Le verbe habiller, habiller et mettre, ça va très très bien en maternelle, parce qu'ils savent dire le nom des vêtements, hein, et des vêtements qu'ils mettent, et puis alors... Donc, vous trouvez un tas de compléments d'objets, et puis vous trouvez que les filles ne s'habillent pas toujours exactement comme les garçons, ça peut faire une différence dans les sujets. Et puis, vous avez tout un tas de... Vous avez les verbes transitifs
ou pronominaux, maman habille le bébé, je m'habille moi-même, je mets tous les compléments circonstanciels, ce qu'on met à l'intérieur de la maison, ce qu'on met dehors, ce qu'on met quand il pleut, ce qu'on met quand il fait beau, ce qu'on met la nuit, ce qu'on met le jour. Vous pouvez faire le tour de toutes sortes de compléments circonstanciels. Hein, ça marche. Vous pouvez, dès la maternelle, leur donner au moins l'intuition de tout ce qui gravite autour d'un verbe. Hein, ça, c'est, ça je voulais vous en parler du verbe habiller parce qu'il marche très bien. Bon. Je repasse à la production de l'écrit. Eh bien, il y a légender une image. Vous leur donnez des images et même encore relativement petits, ils peuvent écrire en dessous ce que représente l'image. Et puis, quand ils commencent à être un peu grands, c'est-à-dire CM1, CM2, ils commencent à pouvoir écrire des petits textes très court, enfin quelques lignes, mais enfin, ils peuvent écrire un repas au restaurant ou un repas à la cantine ou des « qu'est-ce qui m'a fait peur ?» ou je ne sais pas, moi, vous voyez des quelques petites lignes comme ça, et les maîtresses demandent des déclencheurs, ce qui sont en somme ce qu'on appelait des petits sujets de rédaction faciles, où on ne leur demande pas d'en écrire très long, mais enfin, un petit peu quand même. Et on nous a renvoyé, ceux qui ont eu le courage de nous renvoyer quelque chose, nous ont renvoyé quelquefois des cinq lignes écrites par des élèves de CM1 qui étaient pas mal du tout, qui étaient très drôles, qui étaient un peu humoristiques, enfin, c'est tout à fait faisable. Mais alors, il s'est posé aussi le problème de l'évaluation, parce que le problème de l'évaluation, il nous dit, voilà, oh là là, il faut s'évaluer. Ah bon, pourquoi vous voulez évaluer? Ah ben parce que tout enseignement doit être évalué. Oh là là, oh là là. Vous savez, évaluer de l'oral, c'est pas facile. Vous pouvez évaluer, on peut guère évaluer que de l'écrit. Qu'est-ce que vous allez faire? De toute façon, votre évaluation ne vaudra à peu près rien. Ce que vous pouvez faire, c'est compter la proportion, au moins là où ils sont capables d'écrire quelque chose. La proportion de mots réutilisés par rapport à ceux qui sont écrits au tableau, qu'est-ce qui ont été réutilisés dans les petites rédactions de cinq lignes à la fin, bon, ça vous permet peut-être d'avoir une idée des progrès qu'ils font, enfin, bien. De quoi je voulais vous parler aussi? Des listes, une population, l'importance de l'oral. Voyons, j'ai plus mon carnet. Ah oui, les listes et la notion de rendement linguistique. Oui, ça, il faut que je vous en parle un petit peu. Si vous regardez vos canettes, vous verrez qu'à chaque niveau, il y a 18 mots qui sont présentés comme préférentiels. Enfin, de préférence, travaillez donc ces mots-là, ce qui vous permet, d'une part, ils nous paraissent avoir un assez bon rendement, et d'autre part, ils vous permettent de vous comparer entre eux d'une classe à l'autre si vous nous envoyez des fiches témoins. Bien, ces 18 mots, pourquoi 18 mots? Parce que vous verrez si vous regardez le livre rose que nous préconisons, ou même ce qui est expliqué sur le site Vocanet. Hein. Beaucoup de choses qui sont dans le livre rose sont aussi sur le site Vocanet. Hein. Eh bien, vous verrez que on considère qu'une grande leçon de vocabulaire autour d'un mot de haute fréquence, ça prend 4 séances. Pas plus. Il y a des mots tellement riches
qu'ils ont envie de déborder avec le mot « eau » et tout ce qu'on peut dire, tout ce que peut fournir le mot « eau », E-A-U, vous pourriez passer l'année entière, hein, avec tous les verbes qui tournent autour de « eau ». Bon, on a dit 4 séances, c'est bon. J'ai eu des retours de gens qui ont travaillé sur l'adjectif « beau ». Ils ont passé 7 séances. C'est bien trop. Si vous passez 7 séances autour de l'adjectif « beau », il ne vous restera plus de séances pour faire les autres mots. Bon. Donc, 18 séances, ça veut dire 2 séances par semaine et 2 semaines pour chaque leçon de vocabulaire. Et pourquoi 18? Parce que 18 et 18, 36, c'est qu'il y a 36 semaines utiles dans une année scolaire. C'est comme ça que ça a été calculé. Bon. À part ça, il y a des mots non prioritaires dont vous avez la liste en bas de page, d'où vous n'êtes pas, c'est pas interdit d'épuiser. Hein. Bon. Bien sûr que vous ne ferez jamais le tour complet de tout. Hein. Enfin, il y a des mots qui marchent mieux que d'autres. Quels sont les mots qui marchent bien? C'est ceux qu'on peut mettre en relation syntaxique, facile, avec toutes sortes d'autres mots. C'est-à-dire des mots qui ont des dérivés, qu'on peut faire marcher dans les manipulations, des mots qui peuvent avoir des relations avec des adjectifs différents, les adjectifs qui ont des dérivés verbaux, enfin vous voyez tout ça, à partir du moment où vous pouvez faire foisonner un gros réseau d'une façon naturelle autour du mot de base, il a un bon rendement linguistique. À partir du moment où vous ne trouvez que bah, pas grand-chose d'associable, eh bien, le rendement linguistique n'est pas très bon. Ce qui nous a amené, d'ailleurs, à modifier nos listes. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé par proposer des listes sur 8 niveaux, d'après ce qu'on appelle au pifomètre, ma jugeote. Hein, pour chaque niveau, je me suis dit, tiens, pour la maternelle, il faut leur mettre des petits trucs un peu amusants. Pour la cinquième, bah, tous les mots les plus abstraits, je vais les mettre en cinquième. Hein, bon, c'est comme ça. Bon. Les instituteurs qui sont entre les mains de Bruno ont remanié ces listes à leur idée. Et puis, on les a mis sur Vocanet. Et puis, je me suis aperçu, en essayant de faire mes petites fiches, qu'il y en avait qui ne marchaient pas très bien. Je suis tombée notamment sur frères et sœurs. Et je me suis dit, frères et sœurs, qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que j'ai comme dérivé de frères et sœurs? Sœur n'a pas de dérivé du tout. Et frère a comme dérivé fraternel, hein, fraternel, fraternité, bon. Liberté, égalité, fraternité, on peut passer à parler de la fraternité, bien sûr. Il y a le verbe fraterniser, qui n'est pas très usuel et qui ne s'emploie pas en beaucoup de circonstances, bon. Et il y a évidemment, bon, on peut remonter, que les parents ont eux-mêmes des frères et des sœurs qui sont des oncles et des tantes, hein, ça oui. Puis il y a des frères aînés et des frères cadets, il y a des frères jumeaux, hein, c'est entendu, mais avec tout ça, je ne peux pas faire beaucoup de manipulations. Alors j'ai proposé de remplacer frère et sœur par autre chose, vous voyez, par un mot avec un meilleur rendement. Bon, eh bien, ça s'est arrivé à plusieurs reprises, enfin, qu'on a supprimé des mots à faible rendement pour les remplacer par des mots à meilleur rendement. C'est pas parce qu'un mot a une grande importance sociale ou... oui, enfin, comme je ne sais pas moi. Bon. Le mot école,
il n'est pas tellement exploitable. Hein. J'ai fait deux fiches sur école, j'ai fait une vidéo et une fiche. Bon, on peut très bien utiliser le mot école, naturellement, scolaire, mais enfin, qu'est-ce que vous avez comme d'arrivée? Vous avez scolaire, scolarisé, scolarité. Bon, et puis, à part ça, vous pouvez tomber dans l'encyclopédisme à partir de certains noms, c'est-à-dire que vous pouvez décrire ce que c'est qu'une école, qu'il y a des classes, qu'il y a des maths, qu'il y a un personnel, mais enfin, là, à ce moment-là, vous sortez de la linguistique, si vous voulez. Bon, donc, les mots, les listes de mots, c'est une chose pratique, hein. C'est pas du tout des variétures, elles sont pas destinées à rester toujours telles quelles, on les remaniera peut-être, vous nous suggérerez peut-être des remaniements en nous disant vous allez piocher dans les mots d'importance secondaire et puis nous dire celui-là il marche très bien, vous devriez le mettre en premier rang, enfin vous voyez c'est... C'est tout simplement d'une utilité pratique. Bon, alors, je vais terminer par pas deux leçons pareilles. Mais les leçons, d'abord, il faut les préparer un tant soit peu. Hein. Même si on les prépare rapidement, il faut quand même avoir une petite idée de départ. On peut se servir de tous les outils à votre disposition, c'est-à-dire, il y a les petites vidéos, les petites fiches picoches, les articles de Vocalire, mais il y a aussi une grande ressource gratuite, c'est le TLF. Hein. Vous avez... Bon, tous les bons dictionnaires, le petit Robert. Mais enfin, le TLF est quand même un très grand dictionnaire où il y a énormément de choses et vous l'avez gratis sur votre ordinateur. Vous n'avez qu'à taper TLF et vous trouvez ce que vous voulez. Hein. C'est quand même une grosse ressource. Alors, de toute façon, on ne traitera jamais tout ce qu'il est possible de traiter. Ni les 442, ça c'est 442, c'est les entrées du DFU. Chaque entrée du DFU est la substance d'une grande leçon de vocabulaire, hein, c'est un réseau. Le titre de l'article, c'est la tête du réseau. Hein, mais là, c'est un réseau structuré, un article du DFU, et par conséquent, un article de Vocalire. Je crois qu'il a réduit un peu le nombre des articles, parce qu'il en a condensé deux en un, enfin bon. Mais enfin, ça, si ce n'est pas 442, c'est 390, enfin vous voyez, à peu près. Vous n'exploiterez jamais non plus la totalité des possibilités. Oh, vous exploiterez la totalité du mot frère et sœur et école, ça, il n'y a pas de problème. Mais vous n'exploiterez jamais la totalité des possibilités du mot « o », « e-a-u ». Hein, c'est énorme. Bon, si vous vous limitez à 4 séances, ce qui est déjà pas mal... Hein, 4 séances, une pour le grand déballage, une pour un premier classement, une pour l'enrichissement, une pour écrire et corriger, enfin bref, tout ça. Bon, rien qu'avec manger, si vous faites trouver à vos élèves nourrir, se nourrir, nourriture et manipuler ça, aliment, alimenter, alimentation et manipuler ça, peut-être que vous n'aurez pas le temps de trouver convive, festin, festoyer. Pas sûr, hein? C'est pas que ce soit inintéressant de parler du festin et de festoyer. Ça peut être intéressant aussi.
Mais vous n'aurez peut-être pas le temps, tant pis, vous n'aurez peut-être pas le temps d'introduire les suffixes phage, anthropophage, et le suffixe vore, carnivore. Peut-être que vous aurez le temps, mais si vous faites phage et vore, vous n'aurez peut-être pas le temps de faire alimenter, alimentation. On fait ce qu'on peut, avec le temps dont on dispose. On ne peut pas faire la même leçon sur un même mot pour les plus petits ou les plus grands. Exemple, le verbe compter. Le verbe compter, on me l'a mis au cours préparatoire, je crois. Qu'est-ce que je leur ai fait pour le verbe compter au cours préparatoire ? Je leur ai mis, vous comptez les pages de votre cahier, il y en a combien ? Il y en a 20. Bon, vous les numérotez, mettez un numéro à chaque page. Et comment vous écrivez le numéro ? Avec des chiffres. Alors, simplement leur faire des noms, leur faire comparer le nombre des pages, le mot nombre, le mot numéro et le mot chiffre. Hein, c'est pas pareil. Bon. Par exemple, bon. Et puis je leur ai fait mis aussi le suffixe n, c'est-à-dire une douzaine de. Qu'est-ce qui marche avec n ? Une dizaine de, une quinzaine de jours, une dizaine de, une douzaine de. Ça, 15 jours, c'est 15, 12, c'est 15. Mais une centaine d'élèves dans la cour, est-ce que c'est vraiment 100 ? Peut-être pas, hein. Bon. Enfin, ça, j'ai mis ça pour le cours préparatoire. Je ne sais pas trop ce qu'ils en ont fait, puis je n'ai pas eu de retour. Mais si j'avais affaire à des élèves plus grands, je ne m'amuserais pas. Enfin, je leur ferais peut-être distinguer rapidement chiffres, nombres et numéros, mais je les ferais plutôt travailler sur les sur les expressions figées à base de comptes. C'est-à-dire, entrer en ligne de compte, ça compte, régler ses comptes, hein, faire ses comptes, enfin. C'est-à-dire, tout ce qui a rapport à l'argent, avec le verbe compter. Oui, je voulais vous signaler justement que si vous voulez parler d'argent, il vaut mieux prendre le verbe compter que le mot argent. Ça marche bien mieux, parce qu'on compte habituellement de l'argent. Et vous avez toutes les métaphores qui sont à base de compte, c'est-à-dire, par exemple, régler ses comptes et le règlement de compte. Hein, compter avec quelqu'un, etc. Bon, il y a là-dedans à la fois l'argent et il y a tout ce qu'entraîne l'argent, c'est-à-dire éventuellement le crime. Enfin, ça peut... Mais ça peut se faire qu'avec des grands, ça. On ne peut pas le faire avec des petits mouflets de cours préparatoire. Hein. Songez qu'en maternelle, ils m'ont mis chien, chat et loup. Bon. Évidemment, il y a les trois petits cochons avec le loup, le petit chaperon rouge, bien sûr, d'accord. Mais... Vous ne pouvez pas, en maternelle, leur faire apprendre la fable, le chien et le loup. C'est impossible. Ils sont trop petits. Et c'est pourtant fondamental. Enfin, le chien et le loup, ça fait tout de même partie de la culture française d'une façon évidente. Hein, bon. Vous ne pouvez pas non plus leur apprendre des choses comme... difficilement traiter quelqu'un comme un chien, hein. C'est méchant, ça. Gentil, on leur dit que des choses gentilles en maternelle, non? Oh, non, pas vraiment, hein. Bon, l'homme est un loup pour l'homme, c'est pas pour la maternelle. Il faut hurler avec les loups, c'est pas pour la maternelle non plus, hein. Et tout ça, le chat encore c'est autre chose, mais le symbolisme du chien et du loup, hein, c'est très important. Ça, c'est des grandes métaphores.
hein, des métaphores qui parlent, qui disent vraiment quelque chose. Hein. Vous ne pouvez pas le faire en maternelle. Bon, ben, qu'est-ce que vous voulez, c'est du gâchis, tant pis, c'est comme ça. Bon, ben, les grands, puisque c'est traité, c'est supposé traité en maternelle, et ben, en cinquième, on n'aura pas le temps de leur faire le chien et le loup, on leur fera autre chose. Hein. Tant pis, c'est comme ça. Ben, ils se débrouilleront après dans la vie, mais l'essentiel... L'essentiel, c'est que vous leur avez donné de bonnes habitudes d'esprit. Hein? Vous les avez habitués à réfléchir sur les mots. Ils savent, bon, naturellement, bon, il n'y aura pas deux leçons pareilles parce que ça dépend de votre auditoire et ça dépend aussi de vous-même, de vos intérêts personnels. Enfin, c'est. Il faut que vous avez votre petite idée de départ quand vous préparez votre leçon. Vous dites, je vais l'orienter plutôt comme ci que comme ça. Bon, très bien. Et puis après, vous jouez entre votre idée de départ et ce que les élèves vous fournissent dans leur grand déballage, qui est ceci ou cela. Bon, ça donne des résultats qui sont uniques, hein, dans une certaine manière. L'essentiel, c'est de leur avoir donné une certaine habitude de réflexion sur le vocabulaire, de leur avoir donné le sentiment d'un certain nombre de grandes métaphores, de les avoir habitués à manipuler des phrases selon des niveaux de langage différents. Hein, la différence des niveaux de langage est quand même très importante. Eh bien, si vous avez réussi à faire ça, vous n'aurez pas fait le tour complet des 442 articles, mais vous aurez quand même beaucoup débrouillé vos élèves. Enfin, il me semble, du moins. Bon, alors maintenant, si vous avez des questions, on a un quart d'heure jusqu'à midi. Merci, merci. C'est gentil. Si j'étais au théâtre, je saluerais. Je voudrais revenir sur les dérivés nominaux dont vous nous parliez tout à l'heure. Vous nous dites manger, le dérivé nominal, c'est repas. Oui. Comment vous trouvez le dérivé nominal du verbe ? Comment vous trouvez le dérivé nominal du verbe manger ? Alors ces repas, ça peut être plein d'autres choses. Ça pourrait être quoi d'autre ? Ça peut être nourriture, bon, ça peut être marché. Madame, le nom, il y a à partir d'un verbe d'action, c'est-à-dire un verbe transitif qui a un complément d'objet, il y a normalement un nom d'action. Hein ? C'est-à-dire l'action... l'action de construire, ça s'appelle la construction. L'action de prendre, ça s'appelle la prise. L'action de voir, ça s'appelle la vue, enfin, etc. Je cherche quel est le nom d'action qui correspond à manger. C'est pas mange, c'est pas mangeoire, c'est pas mangeance. Ben, ça n'existe, il n'existe pas de dérivé morphologique de manger qui soit le nom d'action correspondant. Donc je cherche dans mes réserves et je ne trouve pas, qu'est-ce que vous voulez. Vous avez parlé tout à l'heure, dans la leçon, de quatre temps forts, le grand déballage, le classement, oui, l'enrichissement, et la production écrite. Oui. Quelle pourrait être la place d'un dictionnaire au cours de cette leçon ? Oui. Oui, alors, bon, naturellement, les dictionnaires, pour les élèves, servent à chercher les mots difficiles. On peut apprendre aux élèves leur apprendre progressivement, et leur apprendre d'abord l'ordre alphabétique, hein. Alors, l'ordre alphabétique, ça ne se devine pas. Bon, commencez par apprendre l'alphabet. Deuxièmement,
leur apprendre à chercher le, dans le dictionnaire une, quand ils commencent à être un peu grands, et uniquement des mots difficiles. C'est-à-dire que vous avez la différence entre le verbe « voir » et le mot « télescope ». C'est un exemple tout à fait classique. Il est très difficile de définir « voir », il est très facile de définir « télescope ». Donc, or, « voir » est un mot extrêmement usuel et « télescope » est un mot rare. Donc, ce que vous ferez chercher à vos élèves dans le dictionnaire, ce n'est pas le verbe « voir », c'est le mot « télescope ». N'importe quel mot rare du genre « télescope ». Bon, vous leur ferez chercher ça pour les habituer à chercher dans le dictionnaire à la suite d'un texte, justement, parce que dans les textes, vous tombez par-ci, par-là sur un mot difficile. Bon, ben ce mot difficile, s'ils sont assez grands, s'ils connaissent l'ordre alphabétique et qu'ils ont un peu l'habitude de tourner des pages, ils pourront le chercher dans le dictionnaire. Bon exercice. Mais les mots usuels et fréquents, vous n'allez pas les faire chercher dans le dictionnaire parce que les définitions sont très compliquées, plus difficiles à comprendre que le défini, et que vous aurez un long article avec toutes sortes d'exemples pour traiter de leur polysémie, seront complètement perdus là-dessus. Donc, les articles de dictionnaire pour les mots de haute fréquence, c'est pour le professeur. Et les articles de dictionnaire pour les mots rares et difficiles, une fois de temps en temps, quand on a le temps et pour les habitués, c'est pour les élèves. Voilà ce que je peux vous dire, à mon avis. Vous savez, un article du TLF sur un mot simple, sur un mot de haute fréquence, c'est très riche. Hein, vous avez déjà une bonne substance pour faire votre leçon, même si vous n'avez pas de vocalire ni... S'il n'y a pas de fiche sur le vocanet et tout, vous vous débrouillez. Mais alors, quand il s'agit, par exemple, des métaphores, c'est moi. Quand il s'agit des métaphores, les élèves ne savent pas obligatoirement, ils n'ont pas dans leur vécu ce vocabulaire avec les métaphores. Je n'ai pas bien compris. Les problèmes de métaphores, oui. Ils ne connaissent pas toutes les métaphores, alors ben, c'est à nous de les amener. Bien sûr, ils ne les connaissent pas tous, mais ils en connaissent certaines, parce qu'il y en a certaines qui sont tellement évidentes et tellement profondes qu'on peut les faire émerger facilement. Si vous voulez, on peut leur faire prendre, je pense qu'on doit pouvoir... Enfin, je n'ai pas l'expérience que vous avez, hein. Alors vous vous débrouillez avec vos élèves. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'une... Une métaphore aussi profonde et aussi évidente que « aller, ça va » et « marcher, la montre marche », enfin, ça, même s'ils n'en ont pas conscience, ils peuvent en prendre conscience très facilement, parce que c'est simple et c'est fondamental et qu'on l'a d'une certaine manière dans notre inconscient. Hein. Maintenant, il y a à côté de ça... des métaphores inattendues que font les poètes et qu'il faut expliciter un peu si on n'en a pas, si on ne voit pas du premier donc coup. C'est à nous de les faire émerger, c'est ça, c'est à nous de les faire émerger. Bah oui, c'est à vous de le faire émerger, bien sûr. Bien sûr, vous avez à faire émerger le vocabulaire passif. Il y a des mots qu'ils n'emploient pas habituellement, mais qu'ils ont entendu, qu'ils ont vu par-ci, par-là, qu'ils ont lu, qu'il faut faire émerger, bien sûr qu'il faut faire émerger. À partir de la démarche que vous nous avez proposée, le déballage, l'écrit et la trace écrite, comment garder, comment alimenter tous ces mots trouvés et qui continueront donc à s'enrichir à partir des lectures. Voilà, quelle forme de trace écrite pour tous les mots qui sont étudiés ? Comment les élèves gardent des traces écrites ?
Bon, ben, écoutez, ça, les traces écrites conservées par les élèves, ça, c'est votre affaire. Il y a dans les... Non, mais écoutez, moi, dans les retours que j'ai eus, ils utilisent beaucoup un truc qui est la fleur. Alors, ils mettent sur leur cahier des fleurs avec des grands pétales, et dans une fleur, dans un pétale de fleurs, ils mettent tous les sujets. Dans un autre pétale, ils mettent tous les compléments d'objets. Dans un autre, ils mettent les adjectifs. Dans un autre, ils mettent, des compléments d'une sorte ou d'une autre. Ben, vous pouvez utiliser la fleur. Maintenant, s'ils ont des cahiers à fleurs, c'est bien. S'ils ont... Ils peuvent aussi, s'ils produisent, si on peut coller sur leur cahier une image et qu'ils écrivent en dessous le titre de l'image, ils le conservent. Et puis s'ils font une petite rédaction de 4 lignes, elle peut figurer et rester sur leur cahier. Moi, qu'est-ce que je veux que je vous dise, c'est à vous de trouver des trucs. Hein. D'autres questions ? Je crois qu'on a épuisé le sujet. Bon, eh bien, il est midi juste. Merci beaucoup.